Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va attendre quelques secondes de temps que vidéo que tu es arrivé. Donc, on attend quelques secondes. Voilà, donc, bonsoir à tous. Mahbabikoum dans le nouveau lifestyle éthique de la série What's Next qui vous est proposé par le Club Éthique. Donc, la série qui est dédiée aux nouveaux bacheliers qui vise à vous orienter dans vos choix. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les étudiants de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie. Donc, je vous remercie, Rofia Benzaï, Lotfi Tachon, d'avoir accepté notre invitation. Et on espère que. On va répondre à certaines questions que pourraient avoir les étudiants par rapport à l'école, par rapport à la spécialité qui existe. Et on va répondre aussi aux questions des téléspectateurs si il y en a. Donc, notre étation, est-ce que vous pouvez vous présenter un public? Alors, Sarah, je m'appelle Benzaï Roufia. Je suis étudiante en cinquième année à l'ENSA, Mazalbek Massoudnich, et en première année à l'Institut méditerranéen d'agriculture de Saragosse, en Espagne, dans un master d'amélioration en génétique des plantes. معكم لطفي طرشون ديبلومي دو ليكول ناسيونال سوبيريور اغرونوميك دونك je suis ingénieur agronome et maintenant je suis assistant développeur semences chez Profert. Très bien. Donc, on a affaire à deux étudiants qui sont diplômés enfin presque diplômés de l'école. Est-ce que vous pouvez, avant de commencer, vous pouvez nous présenter en général ce que c'est l'école nationale d'agronomie. Donc, je vous parle par exemple, en tant que personne qui ne connaît pas l'école, qui ne connaît pas ce qui se fait à l'école, on a toujours dit que l'aspect de la vision de l'école, c'est juste être raflaha et il n'y a pas autre chose. Donc, je pense que vous vouliez éclaircir le point, ce qui se fait à l'école, c'est pas que ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en général qu'est-ce qui se fait à l'école? Alors déjà, l'école, c'est que l'ENSA a en tant qu'école. Elle a été fondée en 1903 ou là, elle est très 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 ancienne. D'ailleurs, même si l'architecture elle a fort ça, donc c'est un style vraiment chbab. Le cadre, chbab, c'est le bzaf, gazon, c'est vraiment un endroit magnifique. L'institution par excellence, si vous voulez, les te former pour le domaine d'agriculture, ou te former vraiment les aspects qui ont à l'agriculture. Mais chérie, quand vous avez les plantes ou les animaux, il y a là. Te former les aspects économiques, le produit ou les conditionner, emballer, garder. Les aspects, t'as des machines qui vont les machines là qui doivent faire la production, les politiques agricoles. Donc, c'est très diversifié. Ou faire bien sûr une vie étudiante, faire plusieurs clubs. Kain des clubs polyvalents qui m'agrinent ça à Agronova. Kain un club sportif. Ou Kain, un club vert, ta permaculture, l'agriculture bio. Ou ferme, bien sûr, Kimal Club, ta l'agriculture biologique. Et Kulwahiti Konan, de la parcelle ta ou il cultivera, en groupe. Ah, très bien. Donc, il y a vraiment, c'est pas que les études. Moi, c'est genre, il y a vraiment beaucoup d'aspects au Bien sein de l'école. sûr, même les études eux-mêmes qui le mémoire le champ il y a beaucoup d'entraide. Donc on se retrouve première année il y a la cinquième année on a le champ jaune chauffe au en même temps on rencontre beaucoup de personnes. Ah, très bien. Donc, même la vie étudiantine, c'est
بليزيور فايت نلقاو فيك في نقول لك واحد تزرع ولا L'autre fille, est-ce que tu as des remarques pas ajoutées par rapport à cela? Bon, je dirais que l'école d'agronomie, c'est le secteur agricole, agronome d'agronomie en Algérie. Genre, qui m'a dit Rofia, elle touche tous les aspects en relation à l'agronomie. Soit qui le côté technique purement agronomique, agriculture, soit le côté production animale, soit le côté économique et politique. Donc, surtout l'ancienneté Taha, qui m'a dit qu'elle a 100 ans, plus de 100 ans d'existence depuis 1905. Elle a été créée en 1905, donc. Vous pouvez imaginer le bagage les KMFH ou les compétences les FIHA. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est la base du domaine on a géré. Ah, c'est vraiment passionnant. Donc, comme vous l'avez abordé, c'est que genre, ce qui se fait à l'ENSA, ce n'est pas forcément genre, ce qu'on a à l'esprit quand on ne connaît pas. Ce n'est pas forcément quand ce qu'on a comme vision, etc. Donc, c'est vraiment tout un aspect, tout un pilier de l'économie. Et je ne sais pas, comme tu l'as abordé, Rofia, c'est même au niveau des spécialités, c'est quelque chose qui diffère, qu'on va aborder plus tard. Mais avant, parlons des études et de la formation à l'école, comment ça se fait? Donc, l'étape de la formation à l'école, comment ça se passe pour le jour où s'inscrit l'étudiant jusqu'à l'obtention du diplôme? Bon, comme toutes les écoles, on a une préparatoire, on bat 3 ans en ta second cycle. Les 2 premières années, ta préparatoire, c'est des années ta prépa sciences de la nature et de la vie. Donc, on a la climat biologie, climat vétérinaire, les mêmes modules à peu près. On bat 12 au concours, comme toutes les écoles. On bat une année tronc commun où on touche vraiment à tout. En troisième année, très chargée, très, 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 très diversifiée. On touche à tout. On bat 2 ans ta spécialité. Ou, chose importante, en troisième année, c'est le classement qui détermine les trois spécialités, les trois, ou là, D'accord. voilà. Mais je veux juste souligner que les troisième année, elle est très, très, très polyvalente, très diversifiée. Il y a, pour moi, le pilier de la formation. Si l'autre veut ajouter quelque chose. Donc, vous nous avez parlé du concours. Vous avez un concours en deuxième année, comme dans toutes les écoles. Est-ce qu'on peut accéder à l'école autrement, genre à travers le concours d'une autre école, par exemple, là? Est-ce que l'accès diffère par rapport à... Non, on peut y accéder à partir de l'ESAIA. Il y a plusieurs classes préparatoires. Gare différentes classes préparatoires sciences de la nature et de la vie, plus ou moins Gare de l'Oïdjo, le NSA. Très bien, très bien. Vous nous avez parlé, technique, du parcours du cycle supérieur. Donc, tu nous as dit que c'était très diversifié. Est-ce que tu peux nous parler des spécialités qu'il y a? Donc, des différentes spécialités qui existent à l'école et ce qui peut se faire. Ok. Alors, on a une dizaine de spécialités. Bon, je vais commencer par la science du sol. Spécialité de Loula, elle s'intéresse au sol. Le sol, t'as un icône fertile, bich icône en bonne santé, bich icône, qui chauffe un sol, t'as comment tu vas le mettre, qui fait tu cultives, ou fait, ou trop D'accord. les technologies, ta cartographie, ta donc les tout ce qui est cartographie des satellites. Donc il y a des spécialités où là c'est pédologie, science du sol. Spécialité deuxième, un département à génie rural, Hindassafilahia, fait deux spécialités, fait hydraulique, tout ce qui est irrigation, fait rail ou
يعني كيفاش حتى تسقي، شحال تسقي وكيفاش تلحق الماء، كيفاش تو سكي ان رابور افيك لو، ستوكاج دو لو، لا كاليتي دو لو، ليكستراكسيون تاعها في الهيدروليك. كاين تان ماشينيزم، هذا فيه تو سكي ان رابور مع لا تكنولوجي اللي عندها علاقة مع لاغريكولتور، كو سوسوا حاجة كلاسيك كيما لي تراكتور وكاع داك، ولا لاغريكولتور مودرن، لاغريكولتور يعني 2.0 ولا كيما يحبوا يقولوا لها، هذه في ماشينيزم. هاد لي دو سبيسياليتي الاخرين، ماشينيزم و هيدروليك، جينيرالمون لي دخلوا لينا الوغ كو هما كانوا ماتيلام ولا مات تكنيك وما كانوش حابين فلاحة، يهربوا لهم من بعد يروحوا يديروا هيدروليك، جينيرالمون يلقاو روحهم. من بعد كاين لي سبيسياليتي اللي عندهم علاقة مع برودكسيون، كيما انا درت برودكسيون فيجيتال، علاقة تو سكي ان رابور مع البرودكسيون تاع اي حاجة فيجيتال، من لي ليغوم، لي كولتور اندستريال كيما بون حنا في الجزائر ما نديروش بزاف، تو سكي برودوي ا بارتير دي بلانت. كاين برودكسيون انيمال كيف كيف انتاج، مي تو سكي ان رابور مع الحيوانات. من بعد كاين لي سبيسياليتي تاع بروتيكسيون، تما كلود في اللي راح يهضر لنا. فوالا كاين تاني لي سبيسياليتي دو بروتيكسيون، كاين سبيسياليتي تاع بروتيكسيون فيجيتال. نلقاو فيها دو ديبارتمون، دونك كاين لو كوتي ديبارتمون بوتانيك اللي فيها هنايا، دونك On traite tout ce qui est toutes les maladies provoquées par les micro-organismes et tout, donc par des champignons micro-organiques ou des bactéries, des virus. Ou on touche l'aspect écologique, donc on fait l'écologie en même temps. Quel est le département zoologique qui traite tout ce qui est causé par. Les insectes et tout ce qui est macroscopique. Donc là, on change de l'échelle. Qu'il y a d'autres départements, qu'il y a le département économie, il fait deux spécialités. Donc, il fait le développement rural et il touche beaucoup plus au système avec lequel on gère les exploitations, on gère l'économie agricole d'une manière générale, donc avec les politiques qu'il faut mettre dans le secteur. Ou qu'il y a une technique, la spécialité de gestion, donc on est beaucoup plus à l'économie des entreprises agricoles ou et agroalimentaire. Qu'est-ce qui indique le département de production végétale dont on parlait à Rufia? Qu'est-ce que techno ou foresterie? On va se glisser, oui. Exactement. Techno, alimentaire ou foresterie? Vous allez avoir des effets. Voilà. C'est une panoplie de spécialités. Je trouve qu'il va de... Du terrain, sur ce qui se fait qui monte Narofia. Pardon? Très rapide, mais les autres, du chemin de la Manche. comme par hasard, c'est l'INSEE qui tombe la dernière fois. Ok. Mazal, spécialité foresterie. Elle a un rapport avec la protection de l'environnement. Parce que même le rabat, toute une politique de développement, enfin, je suis politique de développement, mais عندهم في خدمه مهم. Et technologie alimentaire, c'est une fois que le produit animal ou la végétale, خلاص il a été produit, هما كيفاش حتى يلحق لعندكم, il y a le contrôle qualité, il y a le conditionnement, la conservation, ou il y a une sous-spécialité nutrition humaine, le علم التغذية. Voilà. Très bien. Donc, petit détail par rapport au département forestier qui est allé de ses spécialités. Faire le côté développement, plutôt production. Donc, il s'intéresse à la production du bois et tout. Ok, le côté protection pour la protection des forêts et de l'écologie. Très bien. Donc, c'est vraiment une panoplie de spécialités. Ça va vraiment de ce qui se fait sur le terrain à des études en plus.
plus en amont dans tout ce qui concerne l'économie de donc c'est l'économie de du domaine audit. Donc c'est ça qu'il aborde d'une manière générale. Et vraiment, c'est passionnant. On voit bien que ça ne se limite pas vraiment à ce qu'on peut avoir comme idée, mais c'est vraiment c'est toute une panoplie et on voit que chaque aspect du métier, chaque aspect du domaine a son importance, il a son importance et il a une spécialité pour le traiter. Donc c'est vraiment. وهاد لي سبيسياليتي كاع نشوفوهم اون ترويزيام اني D'accord, donc دونك ماشي كل واحد يقرا غير سبيسياليتي تاعو اون ترويزيام اني كنو نشوفو لا بانوبلي en quelque sorte, c'est une première vue sur ce que l'étudiant peut faire plus tard par rapport Voilà, c'est pour ça la troisième année ça c'est l'année la plus chargée parce que on a des modules de toutes les spécialités. Donc c'est à. C'est le tout en même temps. Ah, très bien. Donc, en parlant de spécialité, est-ce que vous pouvez nous parler chacun de votre parcours à l'école, de votre ressenti à l'école, et ce que vous faites maintenant, ce que vous faites comme spécialité et les différents domaines que vous pouvez dans lesquels vous pouvez travailler plus tard. Vas-y, Donc, Rafik. Alofia, c'est Allô, Lucia? Ok. Alors, انا دخلت فريمون كنت حابه ندير اغرونومي دونك ملي دخلت وانا الحمد لله فرحانه باركور داز بيان الحمد لله جو مون سورتي و Well, bon, on a parcouru le corona ou quoi, donc j'ai pas pu vivre le côté expérimental de la mémoire. Mais à part ça, alhamdoulilah, le parcours s'est très bien passé. Je me suis inscrite à un autre master à l'étranger, en Espagne. Le master déjà en Espagne, le gars la Méditerranée. C'est un master international à l'amélioration génétique des plantes ou la génétique des plantes en général, mais chère pour l'amélioration. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, j'en ai chauffé le master. C'est que la base de l'édite à l'école, la spécialité taille, elle était vraiment bien. Alhamdoulilah, est très bien préparé pour les études à l'échelle internationale. Alhamdoulilah. Même au niveau des études. Ah oui, ou quand Pardon? ouf, les années à l'ENS, j'étais très active, mais les clubs, اي حاجة نقدر نكون اكتيف معاها D'accord, donc même l'aspect extra-étudiantin, donc c'est assez actif au niveau de l'école. oui Par rapport à la spécialité, par rapport au master que tu effectues actuellement, donc c'est. Tu nous as parlé de l'amélioration génétique des plantes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en bref ce que c'est? Parce que possible, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir de quoi il s'agit vraiment. Donc, est-ce que tu peux nous parler de quoi il s'agit? Et pour plus tard, dans les 5 prochaines années dans ton plan de carrière, ce qu'il y a comme opportunité quand on fait un master de ce genre? Alors, l'amélioration génétique, tout simplement, c'est de créer des variétés, que ce soit les croisements, que ce soit bon, on a parlé de l'OTAN, les OGM, le soit des maladies, soit la sécheresse. Une caractéristique, un certain objectif, la plante. Le domaine, c'est trop fait l'informatique, la bioinformatique, surtout les statistiques. D'ailleurs, qui a le master, alhamdoulillah, la programmation pour le c'était nécessaire. Deuxième année, tellement on a le work de la programmation. C'est un domaine très intéressant parce que Fidzaïr, on a bzaf les variétés le qadem. Ma valeur, ma chocolat, mais c'est très parce qu'une variété, qu'est-ce qu'on connaît, qu'on adapte l'environnement. Bzaf, comme on a de l'amélioration,
du bout des variétés Mkharij, enfin le fruit du vent, ou Unstamlohum. Donc, c'est un domaine vraiment qui a une bzaf, les opportunités de développement. Et surtout, Mkharij, c'est très demandé, de l'amélioration génétique, de très, très grandes boîtes. C'est un domaine vraiment demandé. Même la recherche, c'est demander les opportunités pour demander le doctorat, pour demander un centre de recherche, une entreprise, une multinationale, ou là, tout simplement l'enseignement. Et voilà. Là, c'est très bien. Ça a l'air vraiment très intéressant et passionnant quand on est dans le domaine. Oui. Je voulais m'adresser à ceux qui visionnent actuellement le live. Donc, je voulais vous dire que vous avez beaucoup de chance parce que on a Rufia qui aborde le domaine du côté plus recherche, donc qui est beaucoup plus dans le côté innovation, développement et recherche. Et on a notre fille qui travaille actuellement dans le domaine, qui est beaucoup plus dans le domaine professionnel et qui travaille dans le développement de semences chez Proferb. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en général à l'école et de ce que tu fais actuellement? Donc voilà, là, je suis parti de la première promo, les classes préparatoires à SMV. Donc j'ai fait mes 2 ans en préparatoire. Bah, le concours Kemal Ofia, kif-kif. Donc on avait le choix entre l'école d'agronomie, l'école sciences de la mer et biotechnologie à Constantine. Il y a même l'école d'agronomie qui s'est récemment ouverte à Moustaganem. Donc, j'ai choisi l'école d'agronomie, puisque, en fait, moi, je me suis retrouvé face à face, il n'y avait pas d'autre choix. Donc, j'ai procédé par élimination, donc j'ai fait agronomie. En troisième année, donc, c'était le tronc commun. On fait un peu de toutes les spécialités. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment c'est quoi les sciences agronomiques. Au dit Mohamed donc c'était vraiment je trouvais que vraiment c'est un monde très très vaste qu'on pourra jamais maîtriser tous les côtés tellement c'est vaste donc j'ai fait la troisième année en tronc commun puis je me suis spécialisé dans le département botanique où on fait la phytopathologie qui est les maladies des plantes. Donc, en quelque sorte, je suis le médecin des plantes. Dans cette spécialité, on traite les maladies causées par les champignons, les bactéries, les virus, les nématodes, ou bien même celles qui sont causées par les stress climatiques comme la sécheresse, les hautes températures et les autres stress de ce genre. Donc, on étudie bien le comportement de ces micro-organismes, comment ils réagissent dans la plante, comment ils causent ces maladies, la manière de les détecter sur la plante pour connaître bien quel est notre problème au niveau de la parcelle, ou tandis que les moyens de lutte, les méthodes de lutte qui fâchent, nous prenons éliminer les problèmes, les cultures ternaires qui fâchent les fléaux de Tawa. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de spécialité. Le moment pour la soutenance, j'ai fait une petite thèse sur le thème de l'identification du maladie bactérien qui s'appelait la pourriture molle qui attaque la pomme de terre. Donc, les méthodes pour détecter cette maladie qui fait ou un diagnostic une prospection plutôt sur quelques régions productrices de pommes de terre à quel point la maladie elle est propagée sur le territoire national cette étude pourrait aider les gens qui jouent par exemple la pomme de terre. Il faut quelles sont les régions à éviter ou là, il faut éviter les choses pour éviter du boum la maladie. Voilà, donc après, c'est quoi Donc, par exemple, le truc de ma spécialité?
D'accord. Donc, en Europe, il y a vraiment, genre, même ici en Asie, un enjeu, t'as cette spécialité, c'est vraiment, genre, il y a un besoin, Taha, ou il y a un besoin assez urgent, déjà. Donc, genre, même du niveau études, du côté études, genre, on voit que ce que vous faites comme études, ce que vous accomplissez, genre, durant vos projets, votre projet de fin d'études, c'est vraiment quelque chose qui est recherché, qui est, genre, il y a le besoin, Taha, sur le terrain, au niveau national. Donc, Voilà. Même mon projet de fin d'études, bon, ma fortune d'aller, c'était à la, bon, c'est toujours à la résistance à la sécheresse chez l'olivier, un rôle de stress hydrique. Enfin, je devais être à la des variétés locales. La corona. À le sujet, un potentiel vraiment la production de l'olive. Comme il n'y a pas eu d'études des variétés tawana, qui déroulent les grands projets à l'olivier, d'ailleurs, soit déroulent des variétés étrangères, soit déroulent des variétés des manafouches vraiment le potentiel taha. Alors, l'étude, elle avait pour but de découvrir le potentiel des variétés tawana, bien adaptées à la nappe, et aussi pour savoir, tu peux priver l'olivier d'eau, combien on peut économiser de l'eau sans trop compromettre le rendement. C'est-à-dire l'irrigation déficitaire. Le rendement. Pour Oui? économiser l'eau au maximum. C'est ça. Voilà, c'est beaucoup Donc, plus simple. Conditions extrêmes, on va dire. c'est ça. Il y avait un point assez intéressant que tu as soulevé, Olivia. C'est, par exemple, tu nous as dit que cette année, à cause de la crise du Covid, etc., c'était difficile de faire vraiment des études sur le terrain, d'intervenir vraiment sur le terrain. Mais en général, est-ce que l'école offre, est-ce que vous avez des opportunités de travailler vraiment sur le, d'avoir des stages, des opportunités de travail vraiment sur le terrain au cours de votre parcours étudiant? Telle spécialité en général, je suis dans le terrain, mais oui, Aslan, le projet de fin d'études, là, c'est terrain. Très bien. On va parler d'un exemple. Vous nous aviez dit que Flezanet, la prépa, c'était en quelque sorte un programme qui était commun à tous les étudiants qui font tout ce qui est études en biologie. Est-ce que vous donnez des exemples de ce que vous faites sur les modules qui sont faits? Biologie cellulaire, biologie végétale, histologie. Bon, la cellule, délo maths, chimie, physique, en français, informatique ou embryologie. À ta première année. D'accord, donc C'est c'est. exactement les mêmes modules que ta biologie. D'accord, donc durant les premières années, c'est enfin les 2 premières années avant le concours, c'est le programme, on peut dire qu'il est en commun, pas toutes les spécialités. Très Mais bien. bien sûr, vu qu'on a des profs d'agronomie, il est orienté aussi à l'agriculture. Très bien, donc vous avez avec l'aperçu, même si vous faites, il y a un programme commun, mais vous avez quand même, du fait que vous êtes à l'école, à l'ENSA, vous avez quand même avec l'aperçu sur ce que vous pouvez faire plus tard. Très bien. Par rapport, je voulais aussi poser une question qui revient souvent, c'est par rapport à un étudiant en première année, est-ce que la langue peut être un obstacle à un étudiant? Est-ce qu'il y a des étudiants auxquels l'obstacle de la langue a été difficile et la contraint à changer de spécialité, changer d'école, juste à cause de ça? Changer d'école, je pense pas, mais ça quand même. Kane, pour qui ça a été un obstacle. Bon, j'en connais quelques-uns. L'autre fille, je pense que tu avais quelque chose à ajouter par rapport. Oui, personnellement, on a des gens, les vraiment sur le bien c'est connu pour le système algérien.
tu fais combien d'années tu passes à l'université ou le français vraiment donc c'est compréhensible pour l'idée que mais par contre on a des gens les gens vraiment je dirais ils sont beaucoup moins que la moyenne donc ma vraiment qui trop long une très simple phrase à simple donnez-moi à manger mais c'est difficile donc imaginez à peu près le niveau les diabètes par contre avec les années bien sûr il fait un peu d'effort ou là où normal il sans aucun souci sans aucune difficulté au collège et comprend son cours le plus normal du monde c'est juste un moment d'adaptation hein, donc les premiers mois où ça peut arriver à tout le monde, mais juste il faut tout que c'est bon. Vers la fin d'année, dès que ça va oublier, c'est bon, il s'est déjà adapté au collège. Voilà, donc ça relève En plus d'aussi. qu'il Pardon? y a plusieurs enseignants, et au début, il y a des enseignants, je suis à Albiya, je suis à français parce qu'ils te ferment mon loda. Ah, très Ouais. bien, très bien. Donc, on peut dire que ça dépend aussi de la détermination de l'étudiant. Donc, quand il s'y met avec l'effort d'apprentissage, a dit ça. À la longue, il n'y aura pas de problème par rapport à Ouais. ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos années d'études, donc tous les deux? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos années d'études, donc par rapport au temps libre, est-ce que vous aviez assez de temps libre? Est-ce que les études à l'école, c'est assez chargé? Ou bien est-ce qu'il faut travailler tout le temps pour être au niveau, on va dire, ou bien est-ce que vous aviez un peu de temps libre par rapport à... Bon, première année, deuxième année, qu'est-ce le temps libre? Tu as fait le Coran, tu as fait la programmation, tu as fait des langues, tu as fait des choses. En fait, troisième année, tu as fait la gare avec ton livre, tu as fait. Troisième année, classe. Troisième année, tu es chargé bzaf. En bas de la quatrième ou la cinquième, ça dépend de la spécialité. Qu'est-ce est chargé, qu'est-ce est là. Très bien. Donc, c'est beaucoup plus la troisième année, mais comme on Je a... pense Pardon? que c'est le même cas pour toutes les écoles. Bon, par rapport à l'université, tu vas dire même tenir la ashram, par contre, pour les écoles, donc il n'y a pas de changement. Pour quelqu'un qui vient directement du lycée, donc, mais parce que l'âge. Il n'a pas déjà essayé le rythme de l'université pour dire que c'est chargé pour les deux premières années ou là. Bah, c'est vrai pour la troisième année, on l'a déjà dit, parce que c'est pour donner un aperçu sur toutes les spécialités. Donc, il lazem tkoun chargé. Bah, qui fait chocolat. C'est pas si difficile pour il suffit juste bon il y a deux catégories les deux principales qui a les cours à jour donc vers là qui a l'examen les nuits blanches qui a deux catégories T'as la dernière on a un minute. système voilà donc on a les بالحد الخميس عندنا قرايه 8 ل 4 وما عاد عندنا جينيرالمون ثروزيام اني اون في اسمو اون في دي سي ان سيستيم مودولير دونك اون في ليكزامين دي كون تيرمين ان مودول جينيرالمون نديرهم في لي سامدي Très bien, donc bon, en quelque sorte, ça se comprend parce que vu le nombre de spécialités qu'il y a et l'importance de chaque spécialité, donc il y a vraiment avec le besoin d'avoir un aperçu sur Voilà. tout. Voilà. En Donc, plus, comme milieu professionnel, même qui m'a un confitotechnicien, m'a dit d'aimer écouter un botaniste, ou qui dit un botaniste, au moins, il faut que je me rappelle. Donc, il faut que spécialité d'acte plus suivie pour garder spécialité. voilà, Voilà, donc c'est ça. Spécialité d'être
Exactement. Donc, en plus de ce que tu choisis comme spécialité et comme domaine, on doit avoir quand même une connaissance sur ce qui se fait ailleurs pour pouvoir justement communiquer avec les autres. En première année, on a bzaf les TP. T'as chimie, t'as physiologie végétale. Donc deuxième année. Moi, première année, on a bzaf les TP, t'as chimie, t'as biologie cellulaire et tout. Ou deuxième année, on a des TP, t'as zoologie, t'as physiologie animale, gars. Donc, on a les TP, bien sûr, les TD. Mais ce qui est chargé, on va dire, c'est beaucoup plus à partir du cycle supérieur, donc c'est après le concours. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez on va aborder un autre point, c'est après la spécialité, après l'obtention du diplôme, qu'est-ce qu'un étudiant à l'ENSA peut avoir comme opportunité de soit de travailler, soit de sortir en milieu professionnel, de travailler directement, ou bien de continuer sur le domaine de la recherche, de faire un master, ou bien de continuer sur ce domaine. Donc, qu'est-ce qu'un étudiant en général a comme opportunité après l'obtention du diplôme? Alors, on a fait zouj qui est année après le diplôme qui est de zouj. Qui est le côté professionnel. Donc, il y a des opportunités pour. Parce que, la spécialité, c'est tout d'abord un ingénieur agronome. Donc, avec le tronc commun de la troisième année, lui permet de travailler dans n'importe quel poste. Dans le secteur d'agronomie. Personnellement, je travaille dans un poste que je dirais il est plus adapté à la spécialité de Roufia que ma spécialité qui est phytopathologie. Par contre, j'ai pas de souci, je m'adapte bien parce que j'ai les notions de base, je les ai en tête. Donc, il y a une certaine plasticité pour le job. Ok, non, bah, qui a des opportunités, bah, soit les instituts étatiques, les instituts de recherche, qui m'a l'État, qui m'a l'ITCAMI, d'autres instituts qui m'a le CNCC, qui est un centre de contrôle, qui a l'ITGC, qui a la DSA, le ministère, qui a la Dotanique. Soit le secteur privé, soit nous avons une que je spécialise dans les intrants, qui a plusieurs boîtes, ou là, qui a directement sur le flaha, donc une exploitation agricole, ils ont besoin d'ingénieurs agronomes et elle les recrute pour réaliser des programmes programme futur ou là pour le suivi ou là. Donc il y a plusieurs fonctions. Très bien. Avant avec Rupia, il y a un point assez intéressant que tu as abordé, c'est que après l'obtention du diplôme, donc par exemple un étudiant il est en troisième année et qui n'a pas forcément d'idée à la Wishrahabidir, genre même le choix de la spécialité vu que le choix divers diffère vraiment beaucoup, je le dis à Ah, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que. oui, maintenant, oui. Super. Vu le choix assez énorme dans les spécialités qui existent, un étudiant peut ne pas forcément avoir d'idée à la recherche qui connaît en troisième année. Qu'a dit l'autrice, c'est que même après l'obtention du diplôme, après la cinquième année, on peut continuer dans ce domaine alors que ce n'était pas notre spécialité sur le. Elle dit que la flexibilité est assez facile. Oui. On a déjà de la spécialité à l'autre, il y a ou inversement, tu as de la spécialité à l'autre. Très bien. Donc, même la flexibilité, c'est intéressant par rapport à un étudiant, parce qu'il y a, je ne sais pas forcément tout le monde qui sait ce qu'il veut faire qui connaît dans la troisième année. Parce qu'il y a un truc, même si je suis en spécialité botanique,
Il y a toujours des trucs, des phénomènes, par exemple le côté de la production végétale, que je dois connaître pour étudier le phénomène que j'ai entre mes mains. Donc, il y a toujours la relation entre les départements. Exactement. Alors, est-ce que tu peux aussi donner ton avis par rapport à ça, par rapport aux opportunités, par rapport à ce que tu fais actuellement et aux différentes opportunités qui existent de ce genre? Alors, je veux juste ajouter quelque chose à le côté professionnel. Quand ils lancent leur propre projet, mais c'est forcément il faut une j'en ai quelques-uns les dalles des projets qui fonctionnent très bien. Mardam des liens les commentaires. Sinon, le domaine de la recherche, la polyvalence, disons, le domaine professionnel, qui trop de Melina, disons, est Hagda. La polyvalence, la recherche est immense. Le cancer, carrément, parce qu'il y a un bon background de la biologie, un bon background de la génétique. Là. Les histoires de. Qu'il y a des success stories à l'école des domaines les trop. La recherche, c'est très, très, très flexible parce que le background est très polyvalent. Qui m'a le master l'année d'elle fait, qu'il y a des maïs, biotechnologie. Ils ont dû, et à l'heure les modules parce que qui a biotechnologie, mais qu'elle est suffisamment polyvalent, par exemple, c'est quoi un système agricole ou là. Agronomie, vraiment, en réalité, background. Les débouchés de la recherche, quand vraiment bzaf. Les spécialités où vous êtes. Donc, l'économie, l'hydraulique, tout ce qui est biologie, tout ce qui est génétique, tout ce qui est environnement, sciences du sol. Surtout, Connexion. je pense que Rufia a eu un souci de connexion. Donc, en quelque sorte, ce que nous a expliqué Rufia, c'est que. Allô? Allô? Oui, désolé. Oui. Entends. Là, très bien. Donc, ce qui est beaucoup, très demandé, c'est surtout qui ma spécialité, par exemple, sciences du sol. Parce qu'elle a déjà les changements climatiques, il faut trouver un moyen parce que le sol il est bzaf parce que les pluies qui m'a fait d'ailleurs les modèles améthyst les prédictions améthyst les pluies ou l'eau ils bzaf dans un court laps de temps. Donc les pluies gâchent le mal il rate le sol. C'est un axe de recherche très intéressant. La recherche l'amélioration génétique pour que les espèces soient adaptées les changements climatiques, surtout la température qui est là. La recherche dans le domaine, puisque la spécialité nutrition humaine, l'impact des pratiques agricoles à la nutrition, qui est des fois qui te fertilise bzaf, tu n'as pas la valeur nutritive de la là. Qui m'a, par exemple, avec la tomate, elle a 50% à la vitamine C, les nouvelles pratiques agricoles. Donc, là, le nutritionniste ou le phytotechnicien, il produit beaucoup et bien en même temps. Il a bzaf, la recherche aidée. Bon, les bourses, la recherche. Fedzaïr, qui trouve Melina, un doctorat, beaucoup d'établissements différents, même bien les spécialités Tawana, qui est des spécialités des doctorat ailleurs. Ou pour ce qui est des bourses à l'étranger, c'est vraiment, vraiment, vraiment très vaste. Qui est bzaf les domaines pour le développement. Donc, voilà. Ce qu'il a dit, c'est que c'est pas forcément le choix de la spécialité ne détermine pas forcément ce qu'on va faire plus tard. Donc, on a toujours avec le choix, même après le doctorat, on a toujours avec le choix de faire un.
Est-ce que vous C'est pouvez cela. me parler Ah oui, pas que je pense. de ça? Même les opportunités qui existent dans le domaine, c'est quelque chose de très varié et on a toujours avec le besoin. Quand on parle de l'alimentation, quand on parle du développement agricole, il y a toujours un besoin en fait, le domaine et c'est quelque chose de jamais rattrapé. Donc, il y a toujours un besoin de travailler dans le domaine et d'innover sur ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a la climat besoin? Parce que je fais qu'est-ce que le bac? Qu'est-ce que le bac? Il y avait avec la feuille, t'as les choix. Avec le domaine SNV, c'était le seul la seule gars avec le guide, il fait une petite étoile, Mektoub el-Tahti. D'autres départements vont être ouverts dans ce domaine. Effectivement, hello d'autres écoles d'agriculture, Wahda Fmestranem, ou Wahda, c'est spécialement ta technologie alimentaire, les Sayatam Très bien. Fihadash. Donc, pardon? Ah D'accord, donc c'est même des différentes spécialités, les ramadas qui te font le même hado, ils se rapportent au domaine et ont aussi leur importance. oui. Oui. D'accord. Effectivement. Par rapport à nous parlons de l'ENSA, par rapport à l'ENSA et genre, les études à l'ENSA, est-ce que l'école offre des bourses aux étudiants et comment se fait l'obtention des bourses par rapport aux étudiants? Est-ce qu'il y a des critères? C'est beaucoup plus par rapport au parcours académique de l'étudiant, donc c'est les résultats, le parcours académique, c'est autre chose. C'est par rapport à ce que vous parlez de. Alors, qu'est-ce qu'on a un bon parcours, on a presque 100% de chance une soumission parce que qui va t'aider la bourse. Tout simplement, tu as un dossier TAC, une bourse donnée. Par email, le directeur, il bat à chaque fois qu'on a une opportunité, il bat un email, on a telle école, tel pays, des étudiants pour tel domaine. Donc, c'est bien de rester au courant. T'as un sursaut, qui a comme bourse. Qui manage tout simplement soumis mon dossier ou qablonné ou me la promotée. On est 33 places spécialité production végétale. Kain tlata miqraw fait de la bourse, la même classe. Bala kain wahed okhrin li kima la promo li qbli li na'rfhom personnellement kain 5 راحوا. Donc ماشي لازم تكون ماجور. كي تكون ماجور تروح مكاش مشكل. بصح تقدر تقدر ما تكونش ماجور بالدوسي يقبلوك كيكون عندك ان بلوس في الدوسي. Voilà, donc c'est le résultat académique, mais aussi le profil de l'étudiant. Donc on juge aussi sur le profil. Ok, la profil, la classement, la wallo, donc ça va. L'opportunité est ouverte à tout le monde. Même quand on sort dans le domaine professionnel comme a fait l'OTI, est-ce qu'on peut, si on veut changer de cap ou là, est-ce qu'on peut, après être sorti vers le domaine professionnel, continuer vers un master ailleurs, avoir des opportunités de ce genre? Oui, bien sûr, à tout moment. Il n'y a pas beaucoup de cas de ce genre, parce que une fois le wahed se lance dans le domaine professionnel, c'est bon, et il aura de nouveaux objectifs faire à ça. Mais sinon, le wahed qui est toujours le domaine de recherche, il a toujours accès à n'importe quel moment. Il suffit de concours et s'inscrire comme les autres. Très bien, donc Non. oui. Si je peux parler, on a deux cas. Il y a le domaine professionnel, ou la recherche. Un cas hydraulique, FLINA, donc l'institut, mais pas le même master, un master hydraulique. Ou une fille très brillante, une spécialité foresterie. Dans une boîte coréenne, t'as aménagement de territoire. Un master, l'institut l'a fait, mais le domaine à marketing agroalimentaire. Donc vraiment le cap, très flexible. Et ça s'est fait sans difficulté, même au niveau de l'acceptation par rapport
L'institut, donc ça s'est fait sans difficulté. Donc on peut changer de cap, c'est toujours possible. Oui, mais une production végétale, mais pas une production animale. Mais je pense que ça peut arriver parce que mais quand même un tir là. Et des points en commun des spécialités. Par exemple, en botanique ou bien ta phytotechnie ou la production digitale qui est à l'OFIA, il y a un accès normal entre les deux départements parce que la plupart des notions en commun, les notions de base qu'il faut pour se lancer dans un doctorat. Dans notre département ou leur département, elles sont là. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, pour passer du côté végétal vers le côté animal, il y a une grande différence. Donc, ce n'est pas possible. Il y aura beaucoup de déficiences pour du bagage pour l'étudiant. D'accord. Nous avons déjà parlé du bagage polyvalent. Nous en cinquième année, en quatrième année, c'est-à-dire pendant la spécialité. Nous avons des sorties à une semaine, qui m'a production végétale. Nous avons une sortie à l'ouest algérien pendant une semaine, donc même un peu plus des fois. Une sortie à l'est et une sortie à le sud. Alors là, le sud est vraiment magnifique. Qui nous fait avec les sorties? Généralement, du bon mana des enseignants t'as plusieurs spécialités. Qui m'a sorti à l'ouest, j'ai maintenant une enseignante, t'as département, t'as botanique. Donc, t'as département, t'as phyto. T'as des fois un économiste, un botaniste, ou là, ils dévoilent que les aspects carrément pratiques, t'as avec la spécialité. Donc, quand même, non seulement la sortie, t'es très riche, la spécialité, mais t'es riche, les autres spécialités. Mais aussi, Fais? Ah, c'est très bien, c'est. Kima, sorti à le sud, dans l'ouest, le Biskra, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc, c'est vraiment magnifique parce que on a une vision sur le terrain et ce qui se fait au niveau national, c'est ça? Oui, c'est telle spécialité. Les trois premières années, on domsko, les manèges pratiques ou gars, en réalité, c'est pendant la spécialité, le dit. Voilà, et on fait que ça parce qu'on prend parce que c'est la spécialité où l'étudiant nous sera habidir et. Mais on peut toujours faire les habidir qui, bon, troisième année, t'en as un stage d'immersion, mais ça n'empêche pas les habidir stage, il déroule au rabbin que l'école, les institutions juste à côté ou là. Ah oui, Hadjam les habzef, Lina, c'est que les institutions nationales, les anhom à l'arabe à l'agriculture, l'Institut technique des grandes cultures, l'Institut de protection des végétaux, il y a juste dans l'école. À pied, tu vas là. Très bien. Donc, un stage, un exposé, un mémoire, d'héros, juste à côté. C'est intéressant. Exactement. L'étudiant, ils sont présents. Oui, c'est ça. Il y a une chance pour qu'il s'agit des institutions bien avant, mais où il est diplômé. Dès sa première année, il est déjà en contact et il y a une sortie des institutions et il y a une idée de ce qu'il attend après avoir son diplôme. Ah, c'est très bien. Donc, la vision de qu'il y a pour l'étudiant. Donc, ouais. On va à un autre point, donc on va sortir du côté études, mais on va juste les lire dans en fait des institutions. Ah, désolé. Ah, pardon, si tu veux ajouter une remarque. Pour les lire dans en fait des institutions, généralement ils sont diplômés, mais le NSA, donc qui vient dans mon étudiant, il est trouble avec plaisir. Ou des institutions ferment des bibliothèques, qui m'a l'Institut de protection des végétaux fait un insectarium. C'est quelque chose d'impressionnant à voir une collection. T'as les prédateurs, t'as les insectes. Parce que les insectes, quand il y a les prédateurs, quand il y a les t'as une agriculture. Des collections, t'as les champignons, des bibliothèques, les labos, bon, bien sûr, les stages.
Cela compte chatter au même première année de faire les institutions, c'est vraiment bizarre maintenant. Voilà, donc cadeau, c'est au choix de l'étudiant. Dès la première Oui. année, il s'immerse dans le domaine et donc, ça sera qu'un plus pour lui. Ouais. Donc, ça apporte une richesse pour moi. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, on va sortir du côté études et on va parler beaucoup plus du cadre. C'est du cadre à l'école. Donc, si vous pouvez nous raconter l'école, à l'école, comment ça se passe, la proximité qu'il y a avec les enseignants. Et si pour un étudiant qui vient de n'importe où, est-ce que l'intégration se fait facilement là? Un point très positif, Léna, c'est que comme une seule famille, Charles. J'ai ma famille là, j'ai ma deuxième famille Flena. Donc, genre, tellement. Donc, une école, chaque promo fait, je dirais, de 200 à 300 étudiants. Donc, ils quittent le monde où, je En première année, tu as avec quelqu'un qui est en cinquième année. Il prépare son ingénieur, c'est un doctorant. Donc, il y a pas le complexe entre étudiants enseignants ou bien entre les différents niveaux d'étudiants. Donc, c'est un point très positif et te laisse te sentir à l'aise l'école. Donc, même genre le paysage qui est dans l'école, il te donne واحد الراحه انت كي يلحق الوقت باش تروح لا ريزيدونس تقول كان غير يخلوني نزيد دي نور هنا نريح ما نروحش لا ريزيدونس تالمون سا في بليزير تريح تما فوالا دونك عليها دونك شاكان كي ديبلومي تلقاه ابخي ان نو ابخي دوز اون دي سانك ولا ما على باليش Il revient à chaque fois, rend visite à l'école, il chauffe les enseignants terreaux, il chauffe le mouvement FIA, il chauffe. C'est un truc merveilleux, Léna. Même un terme islamlo, ils parlent les enfants de l'ENSA, mais ils parlent les anciens étudiants ou là, les enseignants bien avant, mais ils parlent avec ça. Donc Oui, c'est vraiment. quel sentiment d'appartenance. Au thème, juste un petit détail, il y a des enseignants, là, le fait que nous sommes en courant de fleurs à l'école, il y a des Snapchats. Ils sont vraiment vraiment cool monsieur avec les kids qu'on première année traf menno là les scala mais me dit que mlih ma cache vraiment had le type عندنا au contraire حنا Il y a vraiment une proximité avec les enseignants, même avec les enseignants les études, sur la communication est assez facile ma... entre Ouais. étudiants et enseignants. Oui. Ou ce qu'il y a de bien, c'est que comme le domaine Tana, c'est les plantes, le sol, le gargadec, quand tu l'as un enseignant. Ça s'est coupé. Je pense que Rufia a quelques problèmes de connexion, donc on va attendre qu'elle revienne. On aborde le cadre à l'école, mais aussi il y a beaucoup, je pense, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont résidents dans les cités universitaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler aussi du cadre au sein des cités universitaires? Bon, la cité universitaire, l'ENSA, donc il réside la cité Bouraoui-Amar, donc elle est connue. C'est la cité où il y a les étudiants des écoles supérieures. Donc, il y a l'ENSA, Polytech, il y a l'ISIE, il y a vétérinaire, il y a l'IPO, il y a même Babzouar et Ibartoum. Donc, ce qui est bien dans la cité, donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages. D'abord, les avantages, il y a déjà le numéro un, il y a la sécurité. Mais, donc, il y a une sécurité, mais je suis qui m'a l'occurrence. D'ailleurs, qui dit qu'un invité,
c'est pas facile de filtrer. Tellement il faut aller à la sécurité des étudiants d'art. Le deuxième avantage, c'est que titre en première année, il y a toi qu'une chambre en bénin, donc première année, deuxième année, troisième année. Mais à partir de la quatrième année, il me donne que chambre individuelle, très fière. Donc c'est un avantage qui est là. L'avantage, c'est la promo. Attends, on a des chambres individuelles dès la première année. Donc, c'est Ninach qui la quatrième année. Donc, ce qui n'est pas bien, l'idée est là et où tu dois. Donc, restons à Boraoui, mais c'est à 16 euros au pire. Je Voilà. Voilà, excellent, Dalia. Ok, Voilà, donc, mais ce qui est bien, Tani, c'est qu'il y a les profs. Donc, en 5 ans, je n'ai jamais pris le cours. À part, il y a un déchirre ou là. Sinon, à pied, tu as 10 minutes dans la résidence, tu as l'école. voilà, c'est vrai, l'avantage, c'est la proximité à l'ENA par rapport au Bouraoui. Donc, c'est vraiment très proche. À pied, même pas 10 minutes de marche. Et voilà, par rapport à la cité universitaire, même on peut parler de points positifs, on peut parler de points négatifs, d'inconvénients à la cité. Mais je pense qu'avec du recul, après, je pense que tu peux confirmer l'autre. Donc, avec du recul, après 5 ans à la cité universitaire, je pense que même avec les inconvénients, et on apprend maintenant. C'est beaucoup plus quelque chose que tu Ouais. apprends que... Beaucoup. D'ailleurs, normal. D'ailleurs, nous en principe, on n'a pas passé le service militaire. Donc voilà, exactement. C'est vraiment une expérience qu'il faut vivre. Un peu. Dans tous les cas, sur tout le territoire national, on ne va pas trouver une résidence qui va satisfaire tous nos besoins. Donc, il n'y a pas. Soit tu trouves la sécurité, soit tu trouves le restaurant qui est bien, soit tu trouves la chambre qui est bien. Mais le tout en même temps, il n'y a pas. Exactement. Et on peut dire que quand l'étudiant est vraiment déterminé à faire avec la spécialité, à faire avec le parcours, je pense que la cité universitaire ne pose pas vraiment de problème de ce côté. Exactement, exactement. C'est toujours en plus. Il y a toujours des trucs à apprendre de chaque expérience. Exactement. Je ne sais pas si Rofia a quelque chose à ajouter par rapport à ces points. Nanskof Alger m'a coûté la cité, mais les Lebnat les canaux la cité m'a normal. Qui m'a parlé, il y a je suis cité. Les tours de satisfaire les besoins, mais j'ai pas vraiment une idée de l'expérience de. J'ai un point, je suis sûr, parce que même un F, donc elle ira la résidence universitaire, et surtout qui m'a l'école nationale, donc c'est rare avec des amis qu'on connaît dans notre quartier. Donc, général, les Sahabi, fait la résidence, c'est des gens de 48 wilayas. Je connais personne de mon quartier ou là, de ma région. Mais c'est pas du tout un obstacle parce que là, peut-être le premier jour, c'est des gens qui m'entendent. Kulwahedjaouhedoum la région terre. Donc, il y aura comme kif-kif dans le même cadre, dans la même situation. Ce qui va vous pousser à se réunir. Juste les premiers jours, nous 2 jours, 3 jours, c'est bon. Tout le gars une famille, tout le gars des amis. Donc, il n'y a pas de souci. Comment je vais gérer, comment donc de ce côté c'est pas la peine de se mettre des soucis dans la tête. Exactement, c'est exactement ça l'expérience dans la cité universitaire en général. On va conclure avec une dernière question. Donc, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Maintenant, sachant que vous êtes tous les deux diplômés et prochainement diplômés de l'école, Ça Inch'Allah. Donc, vous avez tous deux une expérience de 5 ans à l'école et en plus une expérience professionnelle.
Est-ce que avec du recul, avec est-ce que si on a comme l'étape de bac, on a donné comme le choix, est-ce que vous allez faire ce que vous avez fait, l'un instant ou là vous choisissez autre chose, est-ce que vous changeriez de choix ou là vous feriez toujours la même chose? Officiellement, on a oublié de donner ça. Sans aucun doute. Et donc pour ton cas de tri. Personnellement, si je suis machine arrière, j'ai le bac, je suis école préparatoire assez élevée, je suis INSA et je suis botanique. Donc pour la Parce spécialité, tu es déterminé. que je suis satisfait. C'est un domaine qui est vraiment très intéressant, qui est mal connu. Exactement. C'est surtout le point, on connaît pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'écho par rapport à ce qui se fait dans le domaine, à l'école. Personnellement, je connaissais pas l'école avant d'être sur Alger. Donc, c'est surtout la communication qui n'arrive pas forcément tout le monde. Exactement. C'était le même cas pour moi. Donc, quand j'ai fait la classe préparatoire, c'était à l'école qui est actuellement école qui s'appelle actuellement Isaya. Je n'ai pas fait au niveau de l'INSA. Donc, la première fois que je découvre l'existence de l'INSA, c'était au passage en allant à l'Isaya pour m'inscrire. C'était la première fois que je vois le panneau École nationale supérieure agronomique. Et c'est là que je découvre son existence. Très bien. Donc, contrairement à Rufia, tu connaissais pas forcément Pas du l'école ou bien tout. le. Pas du tout. Mais Oh, après, je vais ajouter quelque chose. oui, Vas-y. après, en fait, la résidence, un autre avantage de la résidence, c'est que il y a le contact technique avec les anciens au collège. Donc, c'est auprès d'eux. Une image à quelques images à l'école où je suis à où je connais chez toi on a des idées donc tu peux te tomber de la vision هذيك الفلاحه اللي كنا حاطينها تاع تشابا وضرب في الارض ولات حاجه واحده اخرى ولا سيدي لا دي ورقه وستيلو سي توت سي ان سي ان مونداتا سي با سي اون ايماج ouais. انا كي جبت الباك رحت لو ان اس باش نشوفها اي تلاقيت بطفله قاعده تقول لي ديري هاديها وهايله وكاع بان الطفله هذيك كي جابت الباك كانت حطت لو ان اس ديزيام شوا وماشي هي اللي حطاته ما كانتش حبتها اوكي نقول لك 95% تاع اللي يدخلوا ما كانوش حابينها ومديكوتين كي راه كيدير حيولوا فلاحين ولا ومن بعد نحبوها نعرف بزاف فريمون نعرف بزاف لي بروميير اني عاودوا الباك وجابوا الباك اون دوزيام موين مي زون ديسيدي دو ريستي une meilleure moyenne, mais ils ont décidé de rester. Très bien, donc Oui, après avoir découvert l'école. c'est ça? Après avoir bien découvert ce qu'il y avait dans l'école. Oui. Voilà, donc on voit que l'école a le potentiel, elle offre beaucoup d'opportunités. C'est vraiment joli. On voit Béléhan de côté, c'est beaucoup plus par rapport à la communication. On n'entend pas beaucoup parler de l'école. Mais une fois qu'on découvre, une fois qu'on est dedans, je pense qu'on ne peut pas quitter facilement. وانت كنت تجي في الافطار تاع رمضان تاع العام اللي فات Iftar, oui. C'est la première fois où j'ai découvert l'école. L'intérieur, c'était quelque chose de. C'était exceptionnel, ça. J'ai eu aussi la chance de découvrir à travers un événement qu'on a fait là-bas, c'était Alger Shop et Convince Me. Et ça a dit que on a eu la chance de découvrir l'école et c'était vraiment exceptionnel. Je devais avec la construction, comme avec le 4, c'était quelque chose, on étudie, ça donne envie de. C'est l'environnement familial qui fâche. D'ailleurs, l'IFTA, c'était une initiative, tu as des enseignants. D'accord, donc c'est. Donc même la proximité avec les enseignants, Oui. c'est vraiment exceptionnel, c'est super. Alhamdulillah.
Donc, je vous remercie. Ça fait quand même 1 h 10 qu'on est en live. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à connaître par rapport à l'ENSA. Je ne sais pas si vous avez une petite remarque à ajouter pour conclure. Non, vas-y. Bon, un autre point à dire, c'est que donc les nouveaux bacheliers, j'ai essayé une con un peu objectif, donc mais c'est pas très facile, donc mettre un conseil pour les nouveaux bacheliers, c'est que les ce que les gens leur exigent. Donc il dit l'absa il est convaincu. Et surtout, ils se renseignent très bien de toutes les spécialités qu'il y a, avant de faire les choix. Et surtout, ils choisissent la première, et le reste, juste, ils font le vide des cahiers. Exactement. Donc c'est pour vraiment savoir où je gagne feu. Voilà. Rufia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par là? ما تنساوش ديروا صلاة الاستخارة لي سبيسياليتي كيما كلش في الدنيا كلشي بالمكتوب وربي يوفقكم ان شاء الله إن شاء الله واللي لي يدخل لو ان اس vous pouvez me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien, donc vous avez les contacts de Rofia et de Lotfé. Si vous avez n'importe quelle question, je pense qu'ils seront ravis de répondre à vos questions. Un Et grand plaisir. Un grand plaisir. un dernier message que je voulais diriger vers les nouveaux bacheliers, c'est que ne stressez pas par rapport à votre choix. C'est vraiment essayez de vous documenter sur tout ce qui peut exister comme spécialité, comme a dit. Aujourd'hui, on a eu la chance de connaître ce qui se fait à l'ENSA. Vous pouvez voir ce qui se fait ailleurs. Et il y a une chose que je dis presque tous les jours, tout le temps, c'est quand on a beaucoup de choix, quand on sait pas quoi faire, soyez sûr que n'importe quel choix que vous ferez, n'importe quelle chose, soyez sûr que c'est le meilleur choix que vous allez faire. Donc, je vous remercie, merci infiniment, merci aux personnes qui ont suivi ce live durant toute sa durée. Donc, ça a été très enrichissant. On vous Merci remercie beaucoup. infiniment et à la prochaine. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 17 h pour un nouveau live. Merci Merci. à vous. Ciao. Ciao.